Bonjour, toi, élève de l'école Charlemagne, je me présente, je m'appelle Stéphanie. If you know me, it's because I'm your English teacher. Si tu ne me connais pas, c'est simplement parce que je ne t'enseigne pas. C'est moi, la prof d'anglais, qui enseigne aux plus grands en 5e et 6e année. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de la Saint-Patrick. Saint-Patrick! 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 Saint-Patrick. Mais je t'entends déjà me dire... Oui, mais madame... C'est quoi la Saint-Patrick? Ou si t'es en 6e année, ça va peut-être plus ressembler à ça. Yo, madame, c'est quoi la Saint-Patrick? Et ce sont d'excellentes questions. Mais pour t'expliquer ce qu'est la Saint-Patrick, je dois d'abord te parler de qui était Saint-Patrick. Saint-Patrick était un missionnaire qui a œuvré auprès des gens qui vivaient en Irlande il y a très longtemps. Mais qu'est-ce qu'un missionnaire? Un missionnaire est quelqu'un qui tente de convertir les autres à adopter sa religion. Convertir, ça veut dire essayer de les convaincre de pratiquer la même religion que lui. Et Saint-Patrick a réussi à convertir beaucoup d'Irlandais. Non seulement il a fait ça, mais il a aussi fait de nombreuses bonnes actions auprès des gens là-bas, ce qui lui a valu, après quelques années, le titre de saint. Et quelqu'un de saint, c'est vraiment une bonne personne. Saint-Patrick est mort un 17 mars, et c'est pourquoi aujourd'hui nous fêtons la Saint-Patrick le 17 mars. Donc, au début, la Saint-Patrick était une fête religieuse, mais avec le temps, c'est devenu une fête culturelle et on célèbre maintenant cette fête un peu partout dans le monde. Mais là, je t'entends me dire... Madame, parce que nous, on n'est pas en Irlande, on est au Canada. Fait que madame, yo, pourquoi qu'on fêterait la Saint-Patrick ici? Ça n'a pas rapport. En fait, savais-tu que toi et ta famille, si vous êtes né ici, vous avez probablement un petit peu d'origine irlandaise parce que en 1940, il y a eu 40 000 Irlandais qui ont décidé d'immigrer au Québec pour y refaire leur vie. Et ces gens-là ont fait des enfants et se sont mariés avec des gens d'ici, ce qui fait qu'aujourd'hui, environ 80% de la population québécoise qui est née ici a en fait des origines irlandaises. Mais comment célèbre-t-on la Saint-Patrick? En fait, il y a diverses façons de faire ça. Souvent, c'est en portant du vert, une couleur qui est vraiment à l'effigie de l'Irlande. Tu peux aussi porter des trucs avec des trèfles, des petits chapeaux et participer à de nombreuses parades. Parce que dans les villes nord-américaines, ça, c'est vraiment populaire. Il y en a à New York, à Boston, à Montréal, mais je pense que les plus fous, c'est à Chicago, qui, eux, vont même jusqu'à teindre leur canal au centre-ville en vert. Cette année, à Charlemagne, nous aussi, on va faire partie de la fête. En deux temps. Premier temps, le 17 mars, c'est le temps de t'habiller en vert, de sortir tes petits chapeaux et d'apporter ton nain de jardin à l'école, parce que ça, nain de jardin, Irlande, ça vient ensemble. Et dans un deuxième temps, il y aura un jeu qui se déroulera dans l'école pendant la semaine de la Saint-Patrick. En début de semaine, vous allez recevoir une boîte de céréales Lucky Charms. Vous pouvez évidemment en manger le contenu, toutefois, c'est important de garder la boîte. Dans cette boîte, vous devrez placer un maximum d'objets verts. La classe gagnante sera celle, évidemment, qui aura réussi à mettre le plus d'objets à l'intérieur de cette boîte. Et cette classe gagnante sera dévoilée lors de la Saint-Patrick au Grand Gymnase. Alors, bonne chance à toutes les classes participantes et Happy St. Patrick's Day!